m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Shira a déglingué plus d'une centaine de robodrones ordiens. Ah, ça, ça valait le coup d'œil. Hey, c'est un vrai triomphe, il faudrait fêter ça. Il faut qu'Adora soit là. Adora. Moi, je propose d'organiser un banquet. D'ailleurs, il paraît qu'on a un cordon bleu parmi nous, n'est-ce pas, Madame Raz? Oh, disons que je me débrouille. En entrée, je verrai si c'est bien une salade de foie de grenouille et de scarabée grillée. Salade de foie de grenouille et scarabée. Il ne faut pas oublier que Madame Raz est une sorcière brevetée, raison pour laquelle ses spécialités culinaires sont assez spéciales. Oh, ça tu l'as dit! Pourquoi ne pas faire quelque chose que tout le monde aime, comme une salade ou une fricassée de spiffle doré frais cueilli? Oh oui! Moi, j'en raffole. Arrêtez avec vos spuffles, j'ai horreur de ça! J'ai rêvé où quelqu'un a parlé de spuffle doré. Adora, les spuffles, c'est ce que je préfère, c'est délicieux et léger, ça se mange sans faim. Alors, tu adores ça, Adora? Tu l'as dit, j'adore ça. Je ferais n'importe quoi pour des spuffles. Alors, tu voudrais qu'on arrive à t'en trouver? Oh, crénom d'un balai, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, croyez-moi. Les spuffles ne se trouvent pas comme ça. C'est vrai qu'ils sont rares, même rarissimes. Le seul endroit où ils poussent par chez nous, c'est le long des berges de la rivière Chantante, tout près du rocher de la peur. La belle affaire, qui est-ce qui a peur du... du rocher de la peur, oh oui. Eh bien, déjà moi, et toi aussi tu devrais avoir peur, très peur, Boubou. Tu rigoles? Le rocher, je m'en moque. Alors qui est-ce qui vient avec moi chercher des spuffles pour Adora? Je veux dire, pour notre repas, hein? Oh, tu es vraiment un amour, Sprocker. Mais Spritina a raison, c'est bien trop risqué de s'aventurer aussi près du rocher de la peur. Ne vous en faites pas, mes chéris, chéris, je vais nous trouver autre chose. Eh ben moi, je vais aller en douce du côté de la rivière Chantante et j'en trouverai des spuffles, ça fera une chouette surprise pour Adora. Ça, c'est hors de question! Si tu y vas, la Horde te trouvera et tu finiras en prison! Désolée, mais ma décision est prise, surtout tu n'en parles à personne. Oh, Sprocker! Ne t'approche pas du rocher de la peur! Oh, t'en fais pas pour moi, la Horde ne m'aura pas! Alors, vous comprenez bien, puissant Hordak, que dans ces conditions, nous ne pouvions lutter. Nous n'étions qu'une centaine et Shira donc... Toute seule. Tu as failli à ta mission, Mantena. Tu as lamentablement échoué. Mais, puissant Hordak, je... Silence, plus un mot. Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux même plus voir ta sale tête. Allez, disparais. Sombre abruti. Mais le problème, ce n'est pas la bande d'incapables qui m'entoure, mais cette maudite Shira. Elle doit forcément avoir un point faible. Il existe sûrement quelque part en Etheria quelque chose qui me permettra de la capturer. La nuit ne va pas tarder à tomber, je n'ai que 4 spuffles. Oh, en voilà un autre. C'est pas évident la cueillette du spuffle, mais bon, que ne ferais-je pas pour Adora? Je te tiens. Au secours! Oh là là!
là, on se voit comme ça, et moi qui sais tout juste nager. Oh non, le courant m'entraîne vers le rocher de la peur. Au secours! Sprocker, toujours en train de traîner. Dommage, le repas va être froid. Mais maintenant que vous m'en parlez, Sprocker, on ne l'a pas vu de toute la journée. Tiens, ça ne lui ressemble pas. Tu sais où il pourrait être, Spritina? Eh bien, je crois qu'il a dit qu'il... Je t'écoute. Eh bien, il a dit qu'il allait au... Qu'il allait quelque part où il ne devrait pas aller. Et il t'a dit de n'en parler à personne. D'accord. Je comprends ce que tu ressens, Spritina. Et j'apprécie ta loyauté envers ton ami, mais si jamais il court un danger, tu dois parler, nous dire où il est parti. Ce n'est pas le trahir que de lui sauver la vie. Oh, oui, tu as raison. Eh bien, voilà. Il est allé du côté de la rivière chantante pour essayer de te trouver des spuffles, Adora. Bien, tu as fait ce qui était le mieux pour lui. Merci, Spritina. On ferait mieux de t'y dépêcher. Bon, d'accord, la situation n'est pas brillante, pas brillante du tout. Mais au moins, je me suis arrêtée avant le rocher de la... Eh bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voyons, on dirait un rebelle égaré loin, très loin de la forêt des murmures. Tu sais qui je suis? Vous êtes Octavia. Je vous en prie, laissez-moi partir. Te laisser partir, pas question, mais je ne te ferai aucun mal. Je me contenterai de te livrer à Hordak qui m'offrira une belle récompense. Toujours aucun signe de lui. Il a peut-être renoncé, qui sait? C'est possible, mais... Regarde, c'est son panier. On a intérêt à le retrouver avant la Horde. Un Twiguette? J'ai demandé Shira et tu m'apportes un Twiguette. Eh bien oui, maître, mais lui aussi fait partie des rebelles. Ça, un rebelle? Non, non, Shira est une rebelle. Adora est une rebelle. Cette créature-là, c'est juste un... Allez, peu importe, jette-moi ça dans la rivière. Comme vous voudrez, puissant Hordak. Attends! Je vais le garder, on ne sait jamais. Peut-être que ce Twiguette pourra se montrer très utile. Moi utile? Adora, on a reçu un message de Hordak. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Shira se rende à moi, seule et sans armes, où vous ne reverrez jamais plus le Twiguette Sprocker. Signé Hordak, seigneur et maître d'Etheria. Maître d'Etheria, c'est toutre pleine de vent. L'ennui, c'est qu'à mon avis, il est très sérieux. Il faut que je trouve Shira. Ensuite, j'essaierai de découvrir ce qu'Hordak a en tête. Je suis sûr que c'est un piège, Adora. Bien sûr que c'en est un, mais je n'ai pas trop le choix. Par l'honneur du crâne ancestral! Je détiens le pouvoir! Ton envol, Fougor, direction le rocher de la peur. Votre Excellence, nos senseurs ont repéré Shira. Elle approche du rocher. Bien, c'est parfait. Faut-il activer les champs de force? Bien sûr que non. Elle vient se livrer comme je le lui ai ordonné. Ça reste encore à voir, mon cher Hordak. La princesse du palais du pouvoir. Oh, comme c'est aimable de passer me voir. Épargne-moi ton blabla, Hordak. Dis-moi plutôt où est Sprocker. Qui ça? Ah oui, le Nabo. N'aie crainte, il est bien à l'abri derrière des barreaux. Sprocker, laissez-moi sortir de là. Ah non, n'y pense même pas. Si tu touchais à ces barreaux, le Twiguette serait immédiatement congelé. Oh non, pas ça.
Très bien, Hordak, dis-moi ce que tu veux. Je verrai ça comme une sorte d'échange. Je fais libérer cette insignifiante créature si tu acceptes d'être placée en détention. Et si tu refuses? Si je refuse? Eh bien, le Nabo retourne au frigo. Refuse, Shira, la rébellion a besoin de toi. Moi, je compte pas. Ne fais pas ça. Admettons que j'accepte, Hordak. De ton côté, es-tu prêt à promettre de ne plus attaquer la forêt des murmures et de laisser ses habitants en paix? C'est d'accord, Shira. Tu as ma parole d'honneur. Mais à condition que tu promettes de ne pas t'évader et que tu obéisses à tous mes ordres sans discuter. Non, Shira, ne l'écoute pas. Jamais il ne tiendra sa promesse, jamais. Bon, ça suffit, j'en ai assez. Garde, emmenez le Twiguette. Non, Hordak. Tu as ma promesse. Maintenant, laisse aller ce procureur. Oh, bien sûr, avec plaisir. Relâchez le Twiguette près de la forêt des murmures et que l'on conduise notre invité dans ses nouveaux appartements. Non, Shira, je t'en prie, va-t'en. Oh, laisse-moi. Laisse-moi ici, toi. Enfin, la puissante Shira est à ma merci. Je vais pouvoir m'occuper de la rébellion. Et alors Shira a promis de ne jamais s'évader et alors d'obéir à Hordak. Nous, en tout cas, nous n'avons rien promis. Spritina, occupe-toi de lui et veille à ce qu'il ne prenne pas froid. Madame Raz et moi partons pour le rocher de la peur. J'espère que Sproker est en sécurité dans la forêt des murmures. Maintenant, il est temps de sortir d'ici. Hé, mais je ne peux pas. J'ai promis à Hordak de ne jamais chercher à m'évader. Mais Hordak n'a aucune parole. C'est un démon. Rien ne m'oblige à tenir mes promesses. Non. Oh, je n'ai pas le droit. Si jamais je reniais mon serment, je ne vaudrais pas mieux que ce monstre. Je vais devoir trouver autre chose. Tout doux maintenant. On approche. Créneau d'un balai, j'avais oublié à quel point c'était sinistre par ici. C'est sûr, c'est pas l'endroit rêvé pour des vacances. Surtout pour des vacances de rêve. C'est pour ça qu'il faut sortir Shira d'ici. Votre Excellence, les censeurs ont repéré des intrus. Parfait. Les chefs de la rébellion viennent se jeter dans la gueule du loup. Dois-je alerter la garde, Excellence? Non, non, j'ai besoin de faire un peu d'exercice. Et puis j'ai rarement l'occasion de m'amuser. Yeah. Oui, les voilà. Désolé, vous êtes sur une propriété privée. Non, malédiction. Comment puis-je m'en aller d'ici sans pour autant faillir à ma promesse? Pas évident. Réfléchissons. Oh. Et Musclor, peut-être qu'il pourrait m'aider, lui, si je pouvais suffisamment me concentrer. Musclor, il faut que tu m'aides. Musclor, je t'en prie, mon frère. Écoute-moi. La rébellion a vécu. Shira est ma prisonnière et vous vous serez déportés sur l'île aux carcasses. Allez, emmenez-les et vite. Je ne veux plus les voir. Musclor, je t'en prie. On a besoin de toi. Tu m'entends? C'est moi, Shira. Musclor. C'est curieux, cette étoile. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'elle essaie de me parler. Musclor, Musclor. Mais oui, c'est ça. C'est Shira, elle m'appelle, elle doit avoir besoin d'aide. Allons, pas de temps à perdre. Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante!
Alors, on se plaît ici, la vie est belle. Au fait, je viens juste de croiser quelques amis à toi. Comment ça? Quels amis? Où sont-ils? Je leur ai offert des vacances, un séjour de rêve. Dans un club très privé, très exclusif, sur l'île aux carcasses. Et ta promesse, tu avais juré de les laisser en paix. Ah bon, j'ai fait ça, moi? Oh, peut-être, mais dans la Horde, on a une règle. Ne promets que ce que tu ne peux pas tenir. Demain, mes troupes investiront la forêt des murmures et balayeront les restes de ta chère rébellion. Bien, maintenant, je dois aller sur l'île aux carcasses. Il n'a pas tenu sa promesse. J'aurais dû le savoir. Mais alors, s'il n'a pas respecté sa part du marché, je n'ai plus de raison de respecter la mienne. Shira, petit frère assistance à ton service. Je savais que tu viendrais. Merci, Adam. Fougor ! Me voilà. Hordak est parti conduire nos amis sur l'île aux carcasses. Si on allait l'attendre là-bas. Oh, avec plaisir, petite sœur. Prends ton envol, Fougor. C'est le vaisseau d'Hordak qui mène le convoi. Je sais, et pour l'instant, il ne nous a pas repérés. Et si on lui faisait une surprise? Oh, j'ai toujours aimé faire des surprises. Et sur votre droite, vous pouvez apercevoir le roc des martyrs. C'est là que vous irez casser les cailloux. Sur votre gauche, vous... C'est quoi, ça? Oh, ça, c'est Shira. Oui, Shira et Musclor. Oh, non. En formation, préparez-vous à attaquer. Les chasseurs robots vont s'occuper d'eux. Jamais ils ne s'approcheront de l'île aux carcasses. Oh, oh, et si on se partageait le travail? Toi, tu t'occupes des chasseurs et pendant ce temps, moi, je suis Hordak. Ça me va, j'aurais juste besoin d'un bout de corde. Ensuite, tu me largues... Tiens, juste ici. Allez, on va être un gentil robot et on va bien obéir à Musclor. Oui, dis adieu à tes copains. Oh, c'est pas juste, ça. C'est pas juste? Une bande de robots contre Musclor et ses seuls points, il n'y a que des lâches dans la Horde. Ah, tu te crois? Regarde un peu, ta précieuse Shira arrive sur nous. Voyons qui de nous deux est un lâche. Épée, transforme-toi en bouclier. Ah non! Hé, mais attends-moi, Hordak. Oh non! Ils sont tous là-dedans. Oh, Shira! Allons, en piqué, Fougor, plonge! Hordak a l'air d'être allé s'enterrer sur l'île aux carcasses. Merci d'être venu. On devrait faire équipe plus souvent. Ça viendra. Mais pour l'instant, j'ai du travail qui m'appelle sur Eternia. Au revoir, petite sœur. À très bientôt. À très bientôt, mon frère.
vous avez vu où j'ai été cachée? Sinon, cherchez encore. Alors, c'est vous? Je suis là. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Sprocker est parti seul chercher les spuffles. Heureusement qu'il avait dit à Spritina où il comptait aller, sinon Chira ne l'aurait jamais retrouvé. Pensez toujours à dire à vos parents où vous allez quand vous sortez, même si c'est pour aller voir un de vos petits voisins. Ça leur évitera des soucis et vous ne vous ferez pas gronder en rentrant chez vous. Pour l'amour et sa gloire, sa pensée, son pouvoir.